Voilà, c'est parti pour la vidéo promise sur les étirements ou le stretching, comme vous voulez. Elle va durer 5 minutes en sachant que c'est 20 secondes par étirement. Allez, on y va, regardez bien. Et n'oubliez pas, allez sur ma chaîne à Zaya Damani sur YouTube. C'est parti pour le stretching. Allez, on y va. Là, je regarde bien le chrono. Ici, on descend tranquillement. On essaie de toucher les doigts des pieds tranquillement. Pas d'un coup, pas de ça. Vous passez au mieux que vous pouvez et vous restez à ce niveau-là. Je regarde le chrono en même temps. Hop, c'est bon. Ici, on va passer en fente, étirement en fente. Tout de suite ici, hop, 20 secondes. On tire bien vers l'avant, regardez bien ma jambe. On essaie de rester droite et on pousse le genou vers l'avant. Et on essaie de rester le dos droit, tout en poussant le genou vers l'avant. Hop, c'est parti, on change, 20 secondes. Voilà, parce que je regarde un peu le chrono en même temps, qui est au-dessus de moi. Hop. On tire bien le genou, on reste droite, vers l'avant, voilà, et on pousse, voilà. Pas plus de 20 secondes, n'oubliez pas, ça sert à rien de faire plus, et pas d'un coup. Ici, on reste toujours sur les genoux, les bras en l'air, en avant, on pousse les fesses vers l'arrière, et les bras vers l'avant. Ici, on tire, on tire, on tire, on tire. N'hésitez pas à pousser le fessier vers l'arrière, vous pouvez même vous faire aider. C'est parti, voilà. Pour 20 secondes, voilà, c'est bien, ici on se redresse, voilà, on prend la poignée ici, vous voyez bien, on tire vers le haut, pas, on bascule pas, et on tire la main vers le haut, comme si on allait toucher le plafond, voilà, je sais pas si vous voyez bien, ici, voilà, ma poignée là, regardez, ici, 20 secondes. On change ici, 20 secondes. Voilà. On ne bascule pas, on essaie de rester droite et on prend la main ici sur la poignée et on tire vers le haut. J'essaie de vous montrer au mieux possible. Voilà. Ici, on va au sol, toujours pareil. On met les pieds devant. Si vous voyez bien ici, on essaie de toucher les pieds, on descend, la tête en avant, vers les genoux, et on souffle bien, 20 secondes, voilà, si vous n'y arrivez pas, vous mettez juste les mains et vous baissez la tête en avant vers les genoux, et on ramène bien les pieds vers soi, voilà, pendant 20 secondes. Voilà, on reste toujours assise, on passe la jambe droite du côté gauche. Ici, on prend le coude, on ramène le genou vers la poitrine. Et on reste droite et pareil, on tire, 20 secondes comme ça. Et on essaie de rester le dos droit. Voilà, vous prenez votre main là, vous vous mettez en appui arrière comme ça. Vous gardez un équilibre. Voilà, on tire, on tire, on tire, on tire, 20 secondes. Et on change, c'est parti, ici, rebelote sur l'autre jambe, la jambe gauche du côté droit. On prend le coude, regardez, ici, on tire vers la poitrine. Ça doit bien étirer au niveau du muscle du fessier, ici. Voilà, on étire bien, voilà. Moi, je vous montre 5 minutes, mais sachez que vous pouvez faire 10 minutes. Voilà. On reste toujours ici, au sol, on prend le genou ici. Et on ramène le genou vers la poitrine. Vous pouvez allonger votre tête si vous voulez, retenir la tête, mais pousser le genou vers la poitrine. Ça doit bien étirer le genou, le muscle ici derrière, le fessier. Voilà, et un peu aussi au niveau du bassin. On tire bien, 20 secondes, n'oubliez pas. Voilà, on souffle bien, on rentre bien le ventre. Toujours souffler quand on fait des étirements, il ne faut pas bloquer la respiration. On change ici, allez, hop, 20 secondes, avec la jambe gauche, on souffle bien. J'insiste pour vous dire que pas plus de 20 secondes,
Voilà. Après, il y a d'autres professionnels qui disent que c'est mieux de faire plus ou moins. Moi, c'est 20 secondes. Ça fait plus de 30 ans que je fais 20 secondes. Voilà. C'est ma méthode à moi. Voilà. C'est bon. Ici, on se remet debout. On continue. Voilà. Là, on est à peu près à 5 minutes. On descend, on croise les pieds. Regardez, on croise. Ça étire les muscles du fessier. Et on descend 20 secondes. On n'hésite pas. Voilà. Ça va bien étirer les muscles de votre fessier. Allez, il me reste encore 15 secondes. Voilà, on étire bien. Je regarde le chrono. On décroise, on recroise ici. On descend en soufflant le plus bas possible, sans à-coups. Ça, c'est pas bon. On descend et on reste à son niveau. On peut être là ou là. Mais on descend. Ça étire bien les muscles du fessier et du dos arrière. Très très bon. Voilà. 20 secondes, c'est parti. Voilà, j'ai fait à peu près 5 minutes d'étirement. Vous pouvez faire la même chose deux fois. 10 minutes, c'est très bien. Chaque jour, vous pouvez faire des étirements, en sachant que ça ne fait aucun mal, bien au contraire. Allez, je vous laisse. J'espère que c'est bon pour vous. C'est bon pour moi. Bonne journée!